And once again, we are back. On a fini l'entraînement, c'était très très long. Mais on l'a enfin fait, tout le monde est niveau 65. Mais oui, il y a eu quelques changements dans la team. Pourquoi il y a eu quelques changements dans la team? Parce que... Oh non! Putain, c'est pas vrai! Le crit sérieux? Et merde, j'ai perdu Shtar à l'entraînement. Oh putain, mais faut que je dodge les métallos en fait. Ils font trop mal ces bâtards. Donc voilà, donc Dancastor est venu remplacer l'ami Shtar. Et Sonata est venu remplacer... du coup je sais plus qui. Bon enfin bref, j'aime bien cette team en vrai. Parce que là genre je suis entre Lask. Du coup est-ce que je visite les deux autres villes? Je pense que oui hein. Là il y a quoi? Il y a Baie Vaguelone. Bon on va aller voir. Elle, ah oui, elle j'avais déjà affronté hein. Et j'ai déjà eu mon encounter ici. Oh putain, j'ai réussi à le Keblo. Il est même pas pu m'attaquer. Et merde, je vais trop vite et je fais pas gaffe. Après c'est un gamin, il va avoir des Pokémon de merde, non? Ouais. Waouh. T'imagines à quel point tu dois être un dresseur à chier pour avoir un Crisacier niveau 63. Et je suis arrivé à Vaguelone. Oh, cette musique. Est-ce que je suis déjà venu ici? What? C'est quoi ça? C'est encore une ville où toutes les maisons sont désertes. Ah. Oh, le même regard que ce dresseur. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi dans ce lointain pays. Quel est ton nom? Chael, je m'en souviendrai sois sans crainte. Je me nomme Cynthia. Comme tu sais, il est de coutume que les dresseurs qui se rencontrent pour la première fois se livrent un duel. Non! Arrête! Il me dévoile. Non! Non, non! Monsieur Philippe, je serais heureuse de reprendre notre échange où nous l'avons laissé. Ne plus jamais rentrer dans cette maison. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, j'avais oublié ça, sa mère. What the fuck? Ah non, c'est pour plonger ici, d'accord. En fait, si tu plonges pas, il sert à rien cet endroit, c'est ça? Mais j'ai pas envie d'apprendre plonger à Dancastor, en fait. C'est... Putain, regardez vers le bas. Ah, ça me gonfle. Par contre, des Pokémon haut, Ara, il va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Bon, un Staris, ça va pouvoir se acrobatie, quand même. Hein. Nageur brillant. Brillant, quoi. Merde, c'est Nencounter, ça! J'ai même pas fait gaffe. Oh putain, je suis un trou de balle, j'ai même pas fait gaffe, c'est Nencounter ça. C'est quoi cette maison de ouf là, putain? C'est juste les graphistes de Game Freak qui ont pop-off là, c'est ça? Ils voulaient pop-off? Sans déconner, quel est l'intérêt de cette maison? Y en a pas? C'est juste pour dire, voilà, c'est une maison de riche. Ok, weird flex, but ok. Non. Ah mais attends, c'est peut-être un riche. Oh, en vrai, il va me filer plein de sous. Allez. Non, c'est pas un riche. Ok. Ah mais si, c'est un collet monté. C'est-à-dire que c'est le gamin de la maison, là. Espèce de canaille oisive. Ouais, 12 000 poké-dollars. Hein. Oh, putain, si j'avais su, j'aurais fait tenir la pièce rune. Hein. Ah. Ah bah, il y a un truc à faire, d'accord. Bon, j'ai bien fait de l'affronter, ce mot. C'est super, non? C'est la résidence de papa, il me laisse utiliser comme je veux. Mais depuis que je suis là, je m'ennuie. Et papa ne pense qu'aux objets dans les ruines. Dis-moi, t'as rien à faire, pas vrai? Si. Reviens demain, on se fera un combat. Et t'auras autre chose qu'un Mustéboué niveau 60 ou... Donc cette ville, c'était littéralement juste ça, quoi. Trois pauvres maisons et une villa de ouf. Route 14, alors théoriquement, j'ai une autre encounter ici. Oh, c'est à peu près les mêmes encounters que d'habitude, donc faut juste que je trouve des herbes sombres. Ah, deux Pokémon. Oh putain! Le désespoir! Non! C'est le pire truc possible, quoi! Oh, j'ai le seum! Non! Attends, quoi? Oh, il y avait 10% de chance de tomber sur un Altaria! Putain, mais comment j'ai le seum! C'est horrible! Tu tombes sur double rondoudou et il y avait ça en fait en possibilité. Putain. What the fuck? T'es une dresseuse toi?
Non. Alors par contre, le top dresseur qui est en train de tourner là, c'est l'air d'être un dresseur. Il y a un centre Pokémon ici. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah oui, attends, c'est l'endroit spécial de Pokémon blanc. Et si t'as Pokémon noir, t'as la ville noire, c'est ça? Il n'y a pas beaucoup de dresseurs en même temps ici. Hein. Mais y a, alors, il y a des petites herbes là, voilà. Donc ça, c'est Nencounter. Hein. Donc je vais regarder Forêt Blanche. Ah oui, alors attends, c'est... Ah oui. Donc en fait, non, il faut que je parle à tout le monde d'abord. Ça augmente leur bonheur, je crois, un truc comme ça. Reyna. Ici, les plantes fructifient grâce aux bienfaits de Dame Nature. J'ai envie de lui exprimer ma gratitude. Les humains sont attirés par leur procréation. Je ne s'agit de la ville noire. Et donc il y a Reyna. Et alors, j'ai vu que les Pokémon que tu peux tomber dans, enfin, trouver dans les herbes dépendent des habitants. Donc Reyna, elle te propose quoi? Eh bien, Tarzal. Ce qui est une très bonne encounter, Tarzal. Hein. Alors, il y a mieux, évidemment. Sinon, je peux choper un Axolotl aussi dans l'eau. Et Marest, c'est aussi une bonne encounter. Alors, du coup, Marest ou Gardevoir? De toute façon, les Pokémon qu'on trouve ici, ils sont que niveau 5. Donc, c'est pas comme si... Alors, attends, il y a une autre encounter encore ici. Putain, ça n'arrête pas. Hein. Ok, les encounters ici ne déconnent absolument pas. Il faut que je tente... Herbe sombre. Le pire encounter, ce sera... Les pires encounters, ce sera Rapace de Pique et Ossature. Et encore, Ossature, ça va. Hein. Non mais attends, c'est pas possible. Tiens, bon, en parlant d'Ossature, il va avoir un attaque roche. Hein. Ouais, niveau 65, c'est sûr qu'il a un attaque roche. Je vais me barrer. Non, là, j'en vois doute. Hein. Dans le doute, on en voit doute. Damoclès, waouh. Ok. Noix de coco. Ah. Ouais, si c'est un psycho, un truc comme ça, je peux pas rester. Eh, mais j'envoie quoi contre noix de coco en fait? Eh, ma team, elle a pas trop de résistance au psy en fait, hein. Je pense qu'il faut que j'envoie Ara. Et puis il faut que je survive une attaque et puis je fais demi-tour. Même si défaitiste proc, normalement je devrais les mettre assez cher. Ouais, choc psy. Ok, tranquille. C'est x4, normalement c'est en one shot, hein. Ouais. Ah merde, faut force avec ça. Ok, bon, attends. Faut que je refasse le tour. J'avais même pas vu que c'était un caillou qui pouvait être bougé en fait. Pour moi, c'était un caillou du décor. Vraiment, s'il te plaît, là, une bonne encounter. Genre, s'il te plaît, bonne encounter. Allez, bonne encounter. Double bataille. Yes, double bataille. Allez, une bonne encounter, s'il te plaît. Oh, let's go. Le infect. Oh my fucking god. Oh putain, faut absolument que je l'attrape. Scorplane, c'est excellent aussi, hein. Un Scorvol, c'est insane aussi, hein. Mais putain de tyrannosif, mon pote. Ah, il a demi-tour, le Scorplane. Ok. Oh bah, pouce de sport. Hop, regardez, Doute qui carry, il a réussi à endormir les deux en un seul tour, quoi. Oh, je peux pas l'endormir à cause de Mu. Oh non, ça c'est trop chiant. Attends, mais Mu, ça marche à chaque fois ou c'est une probabilité qu'il se réveille? Attends, mais comment ça marche? Il se réveille à chaque fois? Ah oui, entre chaque tour, le Pokémon a une chance sur 3 de soigner son statut. Bon. Voilà, on va se calmer quand même, parce que là, c'est qu'on s'est un peu pété les couilles. Faut que je... En fait, je vais devoir switch de Pokémon à chaque fois en boucle, jusqu'à ce qu'il reste endormi plus d'un tour, en fait. Bientôt, il aura plus de séisme, en plus. Putain, le coup critique. Allez, je veux bien dormir, s'il te plaît, et pas te réveiller immédiatement, c'est qu'une chance sur 3. Allô, mais c'est quoi ce bordel? Une chance sur 3, puis une chance sur 3, puis une chance sur 3. On a une chance sur 27 pour que ça arrive, qu'il se réveille 3 fois immédiatement. Ah, il me pose problème cet infect, hein. Il ne veut pas venir avec moi. Je ne te lâcherai pas. Hein. C'est quoi ce bordel? Attends, mais c'est random, c'est les attaques des Pokémon de sauvage normalement. Et je sais pas, c'est... Il a fait 6 ou 7 séismes d'affilée là. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? La RNG elle est buggée ou quoi? C'est vrai que s'il continue comme ça, il va me tuer mes Pokémon. Et je pense que pour un Tyranocif, c'est worse que quelqu'un meurt. Genre, on en est là. Hein. Oh, il est resté endormi, mon dieu, c'est incroyable. Let's go. Oh, boy.
Ah là, je suis heureux là. Là, c'est la meilleure encounter depuis super longtemps là. Et du coup, maintenant, j'ai hâte que quelqu'un meure dans mon équipe pour le remplacer par Tyrannosif. Non, mais en vrai, il y a moyen qu'avant le conseil 4, je me fasse mon Tyrannosif. Hein. Genre, c'est à la place de Don Castor. Hein. À un moment. Oula, c'est un dresseur ça? C'est un dresseur, mais c'est un random spinner. Hein. Pokéfan, ils ont des Pokémon mignons. Oui, voilà, tranquille. Enfin, mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce Pokémon, putain, JPP. Au Bali, quoi. Désolé d'avoir fait ça à tes Pokémon. C'est vrai qu'ils étaient mignons. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bonjour, tu es stagiaire ici, c'est ça? Comment ça, non? C'est étonnant que tu réussisses à arriver jusqu'ici. Tu es dresseur en voyage. Et ça, c'est ta carte de dresseur. Mais tu as tous les badges. C'est fou, mais attends, si ça se trouve, professeur Park. How many times dois-je te le dire? Cette machine est une découverte révolutionnaire, mais sans un dresseur confirmé, c'est no use, impossible. Wait, tu as dit tout le badge? C'est fantastique, fantasmagoric. Yeah! Voilà, bon toi, fantastic dresser. Assiste-nous dans cette incredible experience. L'expérience du siècle, pour celle for de Nintendo DS. Tu en as une deuxième sous la main? Tout est prêt, ready? Non. Repasse dans le coin sur Root Experience. Oui, donc ce lieu est absolument inutile quand tu as un émulateur. Puis de toute façon, c'est interdit dans un Nuzlocke, donc. Oh, c'est la meuf avec ses ratentifs. Qu'aurais-tu de voir la spécialité du pont de l'inconnu, le ratentif chaud? Ah ouais, let's go. Allez, en piste. Putain, c'est le tigre loup, quoi. Ce petit bout de chou avec ses sourcils si élégants. Il tient un gros champi. Ok, vas-y, let's go. Oh merde, oh putain, attends, il a fait un truc bizarre. Putain, c'est plus dur que ce que je pensais en vrai. Ok. Dans les commentaires, écrivez maintenant avant d'avoir la réponse. Vous faites pause dans la vidéo et vous écrivez maintenant lequel ratentif c'est. Vous écrivez juste le numéro. Et pas de triche, hein. Oh, faites pause là. Allez, faites-le, faites-le. Et vous écrivez 1, 2, 3, 4 de gauche à droite lequel ratentif c'est. D'accord? C'est bon? Ok, pour moi c'est le troisième. Quoi? Je suis une merde! Je suis une merde! Je l'ai perçu. En fait, à un moment au début, il y a le deuxième, le 2 et le 1, ils ont fait ça super vite et je m'y attendais pas. Putain, il a switch. Je suis une merde. J'arrive pas à croire que j'ai perdu à ça. Putain. C'est. T'inquiète, on se reverra bientôt. Tu respires intelligence? Bah non, je viens de perdre au truc des rats. J'ai une super affaire pour toi, Pokémon hyper secret et Magikarp pour toi seulement 500 Poké-Dollars. Alors théoriquement j'ai pu aider un counter ici donc j'ai le droit de le prendre. Hein. Ah merde, mon équipe est au complet. Putain trop bien un Magikarp. Attends je vais aller me vider, je reviens. Panda Donut. Putain de Panda Donut quoi, qui me gonque là. Ah, niveau 22, d'accord. Oh non mais là je vous montre même pas le combat quand ça sort de cette zone en fait. Hein. J'arrive pas à croire qu'je l'ai pas affronté lui. Ah putain mais attends je suis là. Ah oui d'accord. Attends je suis déjà venu ici ou pas? Oui, j'ai une encounter ici, là. Yep, yep. Donc j'ai peur d'avoir l'encounter des herbes sombres. Parce que je prends Nightmare dans la compo. Ok, donc j'ai fait toutes les villes. Mais j'ai raté un truc ou deux, non? Ah oui, il faut que je retrouve les sages. Ok, alors là, j'ai aucune idée où ils sont. Donc on va utiliser ce bon vieux wiki. Alors, route 18, le premier. Bon, il est où ce sage de merde, là? Je suis déjà venu par ici et ça avait servi à rien, je me souviens. Oh non, putain, les courants, j'avais oublié. Ah ah! Ok, donc là, on va commencer à avoir les CT de setup. Reflet étant bien évidemment la moins utile. Parfait, parfait, mon gaillard, tu vas continuer ces déballages sur la team Plasma, mais au QG de la police internationale. Attends, mais il y avait Cascade ici depuis le début. Prochaine destination, les vestiges du rêve. On m'a dit que les débris n'étaient plus là et que maintenant je pouvais venir. Ouais, c'est ça, il y a un escalier là. Je suis obligé de l'affronter lui, hein. Ouais. Yep, j'ai mis Veil en premier. Bon, c'est du one shot sur Balombre, ça. Hein. Même si je crois que ce Purifique est assez... Attaque plus sur un soporifique. Tu veux me faire mal avec quoi? Avec écrase-face? T'as deviné écosphère. Et Balombre, t'as deviné ou pas? Waouh! Il a survécu. Je suis assez étonné.
alors attends, si le hypnomade juste avant il a survécu, un Mushana ça va survivre à tous les coups. Donc je crois que je vais faire feu follet plutôt. Comme ça je réduis sa puissance et en même temps, je pense que les deux brûlures vont être... J'avais oublié synchro, mais ça va, je ne peux pas brûler. Et je pense que ouais, les dégâts infligés par les deux brûlures devraient être tout pile ce qui me manque pour tuer, je pense. Je sais pas si Hypnomade est plus tant qu'il moucharde, peut-être pas. Je pense que la brûlure c'était ce qu'il fallait, hein. Merde. Pff, putain, attends, mais ça grouille de dresseur ici en fait. Ok, alors attends, toi dégage. Toi. Putain de merde. Ok, ici je suis safe. Ça c'est un spinner aléatoire ça, hein. Ouais. On a branlé. Ok, il n'y en avait qu'un de pas esquivable. Coucou toi. Prends donc ceci. Et ça, c'est très bien ça. Ok, maintenant il faut que je retourne aux ruines. Bon, je me souviens plus du tout de la route, donc on va se perdre maintes et maintes fois dans ce putain de château. Hein. Suite flûter sa perlotte. Ah! Intéressant, Team Plasma, ça faisait longtemps. Hein. Oh. Alors, Écosphère peut faire des dégâts, mais alors si je me rate, c'est un one-shot immédiat juste derrière. Hein. Donc là, on va juste prendre Civic, hein. Et on va pas chercher la merde. Colère, putain. Kiyama Arashi. Yep. Coup critique évidemment. Yama Arashi crit à tous les coups, je rappelle. Maître Glocus est venu chercher un Pokémon dans ce château. Et je suis censé dégager les gêneurs, mais j'ai été si faible. Je suis une andouille, un cornichon, un imbécile, un abruti, une tache et une nouille aussi. Bref, un incapable. Exactement, casse-toi. En bas ou à gauche? Oh non. Pas un labyrinthe. Est-ce qu'on rencontre des Pokémon sauvages ou est-ce que je suis obligé de cramer 15 000 repousses aussi? Oh putain, attends, j'ai trouvé. Let's go, plénitude, c'est bon ça. Et là, il y a Pyrax que, bien sûr, je n'ai pas le droit de capturer. Pop, 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 demi-tour. J'ai oublié quelque chose d'assez important de les ruines. Oh, 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 baby boy. Ah. Poggers. Ok, le sage d'après, il est route 6. Oh merde, what the fuck. Maître, allez-en, laissez-nous lui faire sa fête. Ah ouais, ah ouais. Oh putain, la pire utilisation de relais de tous les temps. Tiens, vas-y, pionce, mec. Ça va, ça va. Putain, mais j'avoue que là, la team plasma, ils se disent pas, il y a un petit problème, genre, on va essayer d'affronter le mec qui a 8 matchs d'arène, qui a battu notre roi alors qu'il avait un Reshiram. Mais eux, ils se disent, ouais, je pense que je peux le battre. En même temps, après, ils m'ont peut-être vu perdre toute ma team contre Getis. Là, je veux dire, bon, ok, d'accord, à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Nightmare à level up, vous savez ce que ça veut dire. Ok, alors, je voulais l'endormir avant de me barrer, mais il va m'outspeed, en fait. Détricanon, ok. Ça fait quelques dégâts, quand même, hein. Le bâtard, tu me tankes ça, hein, Civic. Il va pas tanker ça, hein. C'est pas destruction, c'est explosion, hein. Oh, ça va. Ok. Petit enculé, bah. Petit enculé. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton chat de merde, la coup critique. Yes, baby boy. Bien.
Polyroche. Bah pourquoi pas sur Nightmare en vrai. Ok, plus que deux sages, ça va assez vite en vrai. Faut que je passe à la route 7 aussi. Attends, il se passe quoi? C'est un orage qu'il y a? Waouh, ok. Salut mec. Mon tout premier Pokémon, celui que j'ai reçu en devenant dresseur. Pour qu'il repose en paix, je viens parfois pour sonner cette cloche. Jay, il est enfin temps pour moi. Je t'attendrai à la ligue. Mais il nous dit pas c'était qui son Pokémon en vrai. Maintenant un tour à la Challenger's Cave. Ouais, laisse-moi passer mec. Oh, ce bug graphique chelou. Ah, c'est un dresseur ça, mais il faisait rien genre. J'étais devant lui, il me regardait pas. Ok. Alors, apparemment, ça s'appelle la cave du Challenger, un truc comme ça, donc je pense que les combats ils vont être intéressants. Nosferalto. Ouah, les dégâts quand même! Ah, des. Dantecastor, il est vraiment faible. Hein. Ok, on va switch. Ça va être la première entrée de Nightmare. Bam! Il a sable volant en plus! Putain, c'est trop stylé! Regarde-moi ce monstre qui se fait empoisonner. Mais qui s'en bat les couilles. Face à l'adversité, ne flanchis pas. Ne fléchis pas plutôt. Lame d'air, tu penses que ça va aller faire quoi que ce soit? Rien du tout. Et Garou représailles. Bam. Ah oh là 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 là. Trop cool ce Pokémon. Ah mais attends, il y a ce bug graphique parce que... Ah non, j'ai cru parce que l'on avait besoin de fâche. Par contre, attends, c'est une nouvelle encounter ça, hein, je reconnais. Ouh, faut que je spam les repousses jusqu'à ce que j'arrive en bas, moi. La petite chance que je chope un Riolu, je tiens quand même à la tenter. Bon, lui, il est esquivable, mais bon, vu comment il tourne en rond... Tiens, regarde d'ailleurs. PD, panda de merde. Mini Draco, ça va, hein. Ah. Ça, tout de suite, ça va un peu moins... Attends, est-ce qu'il m'outspeed? Oh, je tente pas le demi-tour, là. Elex Sprint, ça va... Très vite. J'allais envoyer Doute, mais je sais qu'Elex Sprint il peut apprendre lance-flamme et déflagration. Et là sur Ara, de toute façon, il allait pas faire une attaque feu, il allait clairement faire une attaque électrique. Voilà. Mais je sais pas si ces dresseurs ils apprennent des attaques bizarres à leur Pokémon ou pas. Je vais l'endormir. Chargeur, ok, il doit pas avoir d'attaque feu. Ah oui, d'accord, Doute. Ah! Au revoir. Je suis pas très fan de ce danse-lame là. Il m'a outspeedé. Il m'a outspeed. Et il a refait un danse-lame. Et j'espère qu'il avait pas tranche nuit. Hein, parce que là, j'aurais l'air plus moins de shot après ça. Hein. Oh putain de merde. C'est pas passé loin en vrai. Putain, j'arrête pas de me faire counter là. Non. Comment ça, il a marteau point? Comment ça, il a marteau point?